Bonjour et bienvenue dans Wehari. Pour ce nouveau numéro, nous prenons la direction de l'extrême nord. Nous partons pour Tiabet. Tiabet est située à l'extrême nord de la Grande Terre, sur la commune de Poum. C'est dans cette tribu isolée géographiquement que je vous invite pour vivre des moments d'authenticité. Nous irons à la rencontre de personnes qui savent valoriser leur terre et qui ont su préserver leurs coutumes et leurs traditions. Pour commencer notre aventure, j'ai rendez-vous avec le petit chef de la maison commune. Bonjour. Bonjour William. Oui, merci William de m'accueillir ici à la tribu. Merci à vous de venir faire quelque chose pour nous. Et vous êtes les bienvenus. Oh, oui. Maintenant, on va s'asseoir. Ok. Bon, j'ai des questions à te poser. Hein. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de la tribu, s'il te plaît? Cette tribu avait 4 clans. Il y a les clans d'Aot, les clans Vara, les clans d'Ama et les clans Fadom. Et c'est une tribu protestante. La population qui forme cette tribu-là est pressée dans l'entour de 200 personnes. Mm. Un peu dispersée dans le coin de la tribu. Quoi. D'accord. Je peux vous dire qu'il est paisible. C'est calme. Ouais, c'est calme. C'est calme. Est-ce que vous arrivez à faire des choses ici à Tiabet? Oui, Cédric. Malgré l'éloignement, on essaye de faire. C'est, vous voyez bien, toutes choses qui se passent ici. On fait des développements économiques, on fait des projets. Il y a des projets de BZMR. Il y a même des gens qui font leurs projets eux-mêmes. Ils développent les vergers, les vases de porc. Mm. Et par rapport à toutes ces activités, le côté culturel, traditionnel, comment tu vois la culture face à l'évolution? Est-ce que tu as une opinion dessus? Moi, j'ai peur. Tu as peur? J'ai peur de perdre ma culture à cause de l'évolution. Je dis souvent à mes enfants ici, à mes sujets même, qu'il faut partir dans l'évolution et avec ta culture. D'accord. Voilà. Ok. Pour moi, c'est un... C'est un peu un compas pour ta vie. Mais si tu laisses ta culture et tu penses aller à l'avant, parce qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres évolutions là-bas. Ce serait la solution. C'est la solution. Ok, rentrer dans l'évolution, mais garder sa culture. Et est-ce qu'ici à la tribu, il y a des personnes qui mettent en avant cette culture? Ben oui. Ici, on trouve encore ce qu'on appelle ici Barugia. 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 Barugia, c'est-à-dire c'est le premier sion qu'on ouvre, c'est le sion des chefs, avant que les autres ils font leur chant. Leur chant. C'est d'abord le chef. Oui, là c'est d'abord le chef. Et ensuite, les sujets. Les sujets. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut aller visiter la tribu? Oui. Ok. Tu peux aller. C'est ouais. Comme chez toi. Hein. Tu viens pas avec moi? Non, j'ai une personne ici qui pourrait aller le voir. C'est qui cette personne? C'est la personne de Pasteur Malaki, Ernest. Pasteur Malaki, Ernest. Tu peux m'indiquer un peu, c'est vers où? Je monte tout droit, à gauche, à droite? C'est vers la droite. Comme ça, vers la droite, je monte tout droit et je vais le trouver. Bon, William, merci beaucoup. Merci à vous. Je te serre la main pour... Merci beaucoup. Pour te dire merci. Oh, olé. Olé. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Si on se recroise, oui. Pas facile. Droite, gauche. Ah tiens, je vois quelqu'un. On va demander. Bonjour. Ah ou pardon. Je suis en train de chercher Malaki. Ah, au terrain peut-être. Peut-être au terrain? Oui, voilà. Bon, ok. Merci. Olé. Alors. Au terrain. Ah, je vois des enfants là-bas. Non. Bonjour. Excusez-moi.
Bonjour. Je chercherai Malaki. C'est moi. Ah, bon. Ouf. Enfin, je te trouve. Oui. Ça fait le ménage. Bon, quoi. Ça va. Alors, j'étais avec William. Il m'a dit de venir te voir pour que tu puisses me présenter un peu des lieux et puis tu peux me raconter leur histoire. Voilà pourquoi je suis devant toi. Et voilà, juste à côté, là. On avait seulement que ce puits, là. Ah, c'est un ancien puits. C'est un ancien puits que les vieux ont creusé. Ouais. Jusqu'à la nappe phréatique, donc elle n'est pas trop loin. D'accord. Mais ce qu'on voit là, ça a été rajouté. Ça c'est à l'heure actuelle. Ça a été okay. Un peu parce qu'on avait peur pour les enfants. Mm-hmm. Mais sinon, ça a été bâti par les vieux avec des pierres ardoises de montagne. Mm-hmm. Ils amenaient des pierres et ils plaçaient comme ça pour retenir le sable. Parce que ici, c'est du sable. Pas, du sable, quoi. Mais si à l'époque, il y avait les grandes sécheresses. Mm-hmm. On va puiser dans les trous dans les niaoulis. Dans les niaoulis, là-haut. Mm-hmm. On va les puiser dans les trous d'eau. On n'avait pas beaucoup de bidons à l'époque, mm-hmm. C'est avec les seaux. Et la technique, souvent, quand on va avec les seaux, quand tu marches, l'eau, ouais. Et quand on prend de l'eau dans les niaoulis pour revenir, oui. On cassait des branches des niaoulis. Oui. Pour que le remous ne se fait pas trop souvent. Ah. Alors on marche tout doucement. Et puis le fait du remous du mouvement. Pour ne pas perdre une goutte d'eau, quoi. Oui, parce qu'il y a les branches des niaoulis dedans. D'accord. Pour pouvoir marcher avec les seaux sans les vider jusqu'ici. On a aussi l'hippodrome. Et avant d'aller voir l'hippodrome, on va d'abord voir le pasteur en bas. D'accord. Pasteur ? Oui. Ben voilà le pasteur qui est en même temps pasteur, il fait aussi de la sculpture. Bonjour. Yes. Ah, bonjour. Bonjour Cédric, bienvenue. Merci. On a parlé un peu de toi sur la route. Oui. Et puis je suis venu voir un peu ce que tu faisais. Oui. Voilà. Ben voilà, moi je suis en tant que pasteur ici dans la paroisse. Mm-hmm. Et en même temps, je partage aussi mon temps de sculpture. Voilà, de la sculpture, voilà ce que je fais. Tous les jours, la semaine, ben, je fais la sculpture. D'accord, tu es dans ton atelier. Ah oui, moi je veux bien voir. Si vous voulez voir, ben voilà ce que je fais. Allez-y, entrez. Oh, allez, merci. Allez. Merci. Waouh. Voilà, ça c'est mon atelier. Allez. Pas tellement de matériel, mais voilà, avec tout ce que. Oh, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, oui. Et avant qu'on arrive, tu étais en train de faire quoi? J'étais en train de nettoyer le bois qui est là. Mmh. Et j'ai trouvé la forme un peu spéciale. Je pense faire... comment on appelle ça? Un casse-tête. Un casse-tête. C'est là, il a la forme d'une casse-tête jusqu'au-dessus. Mmh. Ou faire les formes. Mmh. Et puis le dessous. Et moi, je voudrais faire le totem de la tribu, le totem de la chefferie qui est là. Une anguille, soit qui est une anguille. Anguille. Bon, on va te laisser continuer. Nous, on peut regarder. On peut se mettre à côté avec Malaki et puis te regarder. Oui, c'est bon. Ok, bon. Bon, Malaki, on va prendre un peu. On va apprendre un peu. Ce qui est gênant avec ça, quand j'ai travaillé avec ça, il y a plus de poussière. C'est ça le. Et t'as pas un masque? Non, avant, je me portais des masques, mais après. Ok. Ah, c'est deux, tu vois? Ouais. Là, je vais essayer de faire la tête ici, là, dessus. Ok. Là. Tête de l'anguille. Tête de l'anguille ici, là. Je vais faire la tête ici. Puis tout le tour, c'est son corps. Ça marche. Ça va faire son corps. Ouais. Mais je crois que ici, comme il prend beaucoup de place ici, je peux faire un visage ici pour marquer les vieux, nous, les vieux à nous. Mm-hmm. Il est toujours en relation avec nos totems. Mm-hmm. Ben, il y a toujours, dans les sculptures, mais il y a toujours un visage. Oui, parce que voilà, c'est pour dire que nous, les hommes, les Kanaks, on a toujours cette relation avec la nature et aussi avec nos totems qui sont toujours. D'accord. Bon, je vais te laisser. On va te laisser terminer parce qu'avec Malaki, on va aller voir l'hippodrome. Oui. C'est ça, Malaki? Oui. Et puis je repasserai. Oui. Voilà.
pour voir la fin. Ok. C'est bon? Ok, ça marche. Sinon, merci beaucoup pour le petit moment. De rien. Ok. C'est moi qui vous remercie. Allez. Allez. Bon, Malaki, je te suis. Ok. Mon guide choc de Tchad. À tout à l'heure. Ça, oui. Hein? Oui, à tout à l'heure. Oui, oui. Ok. Belle, c'est calme. La dernière course, ça s'est terminé dans les débuts des années 50. Moi, j'ai assisté juste à la dernière, hein. Dernière course qui la s'est organisée ici. Ah. Alors, c'est pour voir un peu la superficie. Oui. Voilà, le champ de course, il démarre jusqu'en bas. Mm-hmm. Il descend comme ça, puis le bon, ben, il est ovale. Après, il remonte, il passe derrière le champ de mimosa. Ouais. Et il revient par là, là. Il revient par là. C'est ça, le champ de course. OK. Ça ferait un grand rond-point, quoi. Voilà. Mais comment ça se passait, les gens venaient... C'était une journée spéciale? La plupart du temps, le vieux, il campait. Alors, ça démarre de Pobo. Pueblo, Wegua, Kuma, Gomen, ah oui. C'est un peu tous les grands noms là. Hein. D'accord, ils c'est pas juste la région de Poum quoi. Oui. Partez de Pueblo. Avec donc, le district d'Arama, district de Poum. À l'époque, il y avait plein de chevaux, puis chacun vient avec ses chevaux pour la course. Ils venaient souvent 2-3 jours avant pour préparer. Arriver ici, reposer les chevaux pour le jour de la course. Et ça te faisait quoi, toi, d'assister à cette époque-là, à ces courses? C'était bon, hein, c'était joli, quoi. Hein. Uh-huh. Il y avait de l'ambiance, il y avait la musique dans tous les... un peu western. Ouais, là, ouais, ouais. Un bout de Texas, ça t'a bête. Voilà. Ah, c'était beau, hein, c'était bien. Il y a du monde tout le long du champ de course. Tout le monde venait voir cette activité. Voilà. Même les tribus des îles, quand ils ont... Ils se déplaçaient aussi pour venir voir. D'accord. Et à l'époque, c'était les grands bateaux à voile. Là. Ils venaient juste pour le week-end passé. Ouais. Et voilà, ici, c'est tout le monde. On va partir de Pueblo jusqu'à Gomen. Depuis cette époque, après, les chevaux, ils ont été à l'abandon, ils ont retourné à l'état c'est sauvage. Pour ça. D'accord. Et maintenant, on a des troupeaux sur la route. Et tu penses que je peux... Il y a quelqu'un qui peut attraper des chevaux à l'heure actuelle? Oui, il y a juste la maison en bas du chemin de course. Ouais, de l'ancien chemin de course, ouais. Voilà, l'hippodrome. Là. Il y a une maison. Ouais. Juste en descendant, la maison à droite. La première maison à droite, c'est il y a un jeune qui est là. Comment il s'appelle? Mike. Mike. C'est un petit fils du chef. Du chef? Bon. Vous allez là-bas, je vais aller le trouver. Hein. Je vais lui demander s'il peut me montrer 2-3 astuces pour attraper un cheval. Moi, je vais y aller. Ok. Bon, Malaki, merci beaucoup. Hein. De rien. Olé. Allez. Bah, allez, à la prochaine. À la prochaine. Hey. Bonjour. Oh, pardon de déranger les garçons, je cherche Mike. Oui, c'est moi, c'est Pau. Oui, c'est enchanté, pardon, parce que je viens de la part de enchanté. Robert. Enchanté Robert. Oui, moi je viens de la part de Malaki. On m'a dit que tu capturais les chevaux sauvages. Oui, c'est vrai. C'est pour qui? C'est pour toi? C'est pour savoir si tu peux m'initier. Oui, c'est... D'accord. Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas, mais comme on a voulu aller à la pêche, moi et le beau-frère, mais on va faire une exception pour toi. Oh, allez. Bon, ben moi je te suis, tu me dis ce que je dois faire, et puis voilà. Ok, ben là on va aller récupérer les cordes, et puis on va monter tout doucement sur la route pour aller voir les troupeaux de chevaux, placer nos pièges, coincer les chevaux. Pour... Je vais te faire montrer comment on va attraper un cheval. Oui, comment attraper un cheval. Ok, merci. Ok. Ok, là on va aller chercher les cordes. Yep. Là, j'ai déjà fait un nœud ici. Là. Oui. J'ai fait un nœud ici. Tu prends le bout de ta corde. Tu fais passer comme ça. Tu fais passer là.
tu calcules le coup du cheval, cheval hein, ouais, pour pas qu'il s'étrangle. D'accord. Voilà. Ah, là, c'est bon, là, il y a assez. Mm. C'est comme ça. Ah, c'est fait un nœud coulant. C'est un nœud coulant. Oui, voilà, okay. Un nœud coulant. Voilà, okay. Après, tu attaches. C'est pas trop serré. Je l'attache juste avant le nœud que tu as fait déjà, oui, sur la corde. Oui, voilà, juste avant. Pour qu'il bloque. Voilà, en fait, pour qu'il bloque, pour pas, voilà, qu'il s'étrangle. Pour pas qu'il s'étrangle. Voilà. Okay. Ça marche. C'est une sécurité, quoi, pour le cheval. Voilà. Bon, voilà, on veut l'attraper vivant, quoi. On veut pas, ouais, l'attraper mort. C'est ça aussi. Non, au mieux le laisser. Hein. Voilà. C'est ça aussi. On va aller comme ça. Okay. On va aller sur une carrière, là. J'ai vu des chevaux ce matin quand je suis barracoum. T'as les chevaux des fois qui viennent faire un tour dans la bourgade? Oui, là ils sont debout, c'est pour prendre le soleil. En bas c'est le marais, ils sont debout. D'accord. Oui. Ok. C'est vers, c'est voilà, plus le matin, quoi, ils sont. Voilà, plus le matin. Après l'après-midi, ils remontent dans les. Fait trop chaud. Oui, sous les arbres. Voilà, sous les arbres. Okay. Voilà, là Cédric, là les chevaux ils sont plus là, ils sont montés un peu dans les niaoulis. Ouais. Là ils sont montés, ils sont barrés manger, ils sont de l'autre côté de la crête là-bas. Tu vois là-bas? Derrière là-bas. Voilà, oui, derrière. Okay. Mais là, on ne va pas trop aller là-bas. On va partir comme ça, on va aller de l'autre côté. On va suivre le bord. Voilà, on va suivre le bord. On va aller dépasser les chevaux. Okay. On va placer nos pièges. Ouais. On va revenir. D'accord. Quand on va revenir, là, on va placer les deux. Robert et Nono. Ouais. Et Mundo, on va revenir sur le marais. On va les rabattre vers les pièges. Donc toi, tu places ta corde en fonction des chemins des chevaux? Oui, c'est... Je place où il y a des branches de niaouli, ouais, qui passent juste en haut des chemins. C'est plus facile pour moi pour placer les cordes, pour crocher entre les branches. Suspendre comme ça. Voilà. Okay. D'accord. Et là, on va attacher. Ouais. Yep. Hop. Je te laisse. Voilà. On est vrai. Voilà. On va desserrer un peu la corde. Est-ce qui t'a appris à. Qui m'a appris à faire tes nœuds, à attraper les chevaux? Ah, ça, c'est grand-père. Mmh. C'est. Ils nous ont appris, voilà, quand on était petit. Mmh. Ouais. On va placer un ici. Oui. Je vais mettre celui-là. Ok. Okay. On va placer la dernière corde. Allez. Bon, mec. Oui. Est-ce que tu attrapes à tous les coups? Est-ce que chaque fois que tu mets un piège, tu en attrapes un? C'est pas sûr. Ça dépend. Hein. Ça dépend. D'accord. C'est à deux fois t'as de la chance, deux fois t'as pas de chance. Mike, oui. Maintenant c'est l'étape. C'est... L'étape cruciale. Là c'est pour aller. Là on va courser les chevaux. Les chevaux. Voilà. Pour les rabattre voilà, sur nos pièges. Okay. Et espérons qu'on va attraper un. C'est ça. Allez. Okay. Bon, on va voir ça tout de suite. Ok. C'est ça. Ah ouais, les chevaux là-haut, Cédric. Là-haut. Parce que là, ils ont sauvé ça. Ouais, là, ils sont devant nous, les chevaux. Là, non, mais j'ai demandé comme ça, ils ont mis à couper. Oui, ok. On va monter comme ça, nous deux. Oui. Là, mais il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on fasse vite. Voilà, ouais. Sûr. Ok, ça marche. On y va alors. Ok. Là, c'est Drake, on va courir un peu. On va courir, hein. Ok, oui, ça marche. On va courir un peu. Là, je vais crier à les deux frères. Ouais. Ils vont descendre comme ça, tu vois. Ok. Non ! Tout met ! Je les entends là-bas, là. Ils partent. Oui, ils partent. Là, on est obligé de redescendre comme ça, Cédric. Ok, allez. On va descendre comme ça. Je te suis.
Ah ben voilà Cédric, on a loupé le troupeau de cheval, chevaux. Oh ben, là, voilà. Vous entendez Mike, loupé. Les chevaux nous ont débrancés. Voilà. Bon, on va enlever les pièges. Voilà, on va enlever les pièges parce que c'est perdu. Okay. Bon, allez. Bon, allez. Bon, Mike, excuse-moi, oui. je vais te laisser, mais je te dis merci. Merci parce qu'on a essayé, puis merci d'avoir partagé aussi ta connaissance. Moi, je vais aller rejoindre le pasteur qui doit m'attendre. Parce qu'il a fait une sculpture et puis je dois aller voir la finalité de sa sculpture. Oui, c'est bon, Cédric. Ok, olé. Bon, ben, on remet ça pour une prochaine. Oui, pour une prochaine fois. Olé. Peut-être que la prochaine fois, on aurait plus de chance. C'est ça, c'est bon. Allez, à tout à l'heure encore. Ok, à tout à l'heure. Ah. Voilà. Quand on te voit et le bois il a changé de figure aussi. Voilà. Hein. Wow. Ça y est, ouais. Là tu l'as fini? Là j'ai fini. Quasiment fini. Et là il te reste quoi à faire pour finir? Ben, pour finir, il faut que je trace sur pour marquer les arêtes. Mm-hmm. Ici là. Sinon tu vas terminer. Hein? Terminé, ça veut dire voilà, terminé. Tu prends le ciseau, le maillet. Bon, j'ai pas trop d'expérience, mais tu me dis ce que je dois faire. Ici. Là, il y a les traits, là. Ouais, ouais. Sur les arêtes. Attends, mais je vais bien te voir faire d'abord, oui. Que je puisse regarder et okay. Prendre l'exemple. Ok. Tu te mets. En même temps, tu tournes. Tu tapes comme ça. Je vais jusqu'ici oui. Et c'est bon. Voilà. Okay. Voilà lui. Voilà. Olé. C'est bon. C'est bon, c'est toi. Ça va? Oui, c'est bon. Voilà, c'est toutes ces richesses-là. La sculpture, la case, la natte, le monekanak. Ça, c'est nos richesses. Ce qui nous appartient, ce qui fait de nous des hommes, des Kanaks, des Dokamo. Ben voilà. Le Dokamo, c'est le vrai homme. Et le vrai homme, ben, lui, il a tout ça en lui. Ce qui fait de nous un Kanak. Voilà. Olé. Ben, ma soeur, merci beaucoup pour ces belles paroles. Olé. Ben, je vais te laisser. Je vais aller retrouver Jean, okay. Voilà, qui doit m'attendre dans son verger. Mais merci à toi d'être passé. Voilà. C'est cool, c'est moi. Allez, bah allez, bah t'as l'heure encore. Allez, t'as l'heure. Oui, oui. Bonjour Jean. Bonjour Cédric. Oh. C'est bon? Ça va? Oui. En fait, tu as fait un grand parc naturel. Tout autour, tu as mis du grillage pour pas qu'il se sauve. Voilà. Et tu as combien de cochons? À peu près avec les petits que j'ai au moins une quarantaine, oui. Une quarantaine de cochons? Oui. Tu peux me raconter un peu l'histoire de ces cochons? L'histoire de ces cochons, ça m'est venu comme ça, quoi. Tu vois? Si je puisse faire du copra, c'est un de mon idée, mais bon, où ça, le livrer, le copra? Tu vois? Et là, t'as fini de donner le goûter ou je peux t'aider un coup? Ben, si tu veux, tu pourras... je vais te passer la hache, comme ça tu vas essayer d'en couper. Allez. Bon, c'est parti. Je te laisse taper le premier et puis... Ok, Cédric. Pour le deuxième. Ok. Il faut avoir le coup, hein. Hein? Ouais, tu me provoques, là. Mais, allez, Cédric, à ton tour. Oh, et... super. Attention! Voilà lui! Tiens! Et là, je vois qu'un peu plus loin là-bas, ton parc il est grand quoi! Oui! Donc, on m'a dit aussi que tu avais des vergers aussi, tu avais des trésors cachés aussi! Ben voilà! Tu penses qu'on peut aller faire un tour? On pourra faire un tour! Et voilà! Je te rends la hache et je te suis! Allez, on y va! Bah, allez! C'est bon pour moi, je te suis! Alors! Tout droit. Un peu tout droit. Ok. On va vers le verger. Et les cochons, ils nous suivent ou... Ah ben, peut-être ils vont nous suivre. Ah, je commence à voir le verger.
Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est des manguiers. C'est des manguiers. Premier là? Le premier, c'est des manguiers. Ah, après, ouais. Ben. Il est grand ce verger. Hein. On va vers ce pied de manguier là, avec deux, trois fruits dessus. Hein? Bon, ben, mais bon, c'est en vert. Hein, c'est... mais tu veux pas attendre un peu pour le dire? Laissez espérer. C'est quoi comme variété voilà. Celui-là? Il est là, l'allemand. C'est du Van Dyck. Van Dyck. Voilà. Oui, alors Jean, ici, tu as combien de variétés de mangue? Eh bien, c'est truc, j'ai cinq variétés de mangue. D'accord. Okay. À part que j'ai pas le sabot. Oui. Et le pétasse qu'on trouve un peu sur le territoire. Donc, tu as voilà. Des variétés que nous, on ne connaît pas. Voilà. Hein? Des variétés. Voilà. D'accord, d'accord. Ah. Et je vois que plus bas en bas, on a d'autres arbres. C'est quoi? Eh bien, ce qu'il y a plus bas en bas, c'est des avocats. Pieds d'avocats. Ah! Voilà. Ah. Tu as des pieds de manguier. Des avocatiers. Quoi d'autre? J'ai des pommes cannelle. Pommes cannelle. Voilà. Le lime. Lime aussi. Lime. Et puis des pieds de mandarine. Et voilà, ben... tout ce que tu as trouvé sur ma parcelle de verger, voilà. D'accord. Et là, c'est la saison des... En ce moment même? En ce moment, c'est la saison des avocats. Donc ça veut dire... On va aller vers les avocats. Ok. Et voilà. On peut aller voir s'il y en a? On va aller voir s'il y en a, comme ça tu peux en goûter. Ah, ben c'est gentil. Merci. Ok. Ok, Cédric. Ah ben ici, il plaise, hein? Ici, hein? Les pieds d'avocat. Ah oui. Regarde. Cédric, bon, allez. Tu attrapes? Allez. Olé. Hop. Jean, je te remercie beaucoup pour cette belle balade. Et pour cette belle visite. Olé. Merci beaucoup, Cédric, du fond du cœur, de votre visite. Pas de soucis. Merci. Oui. Voilà, c'est sur cette belle dégustation que notre aventure se termine ici à Tchabet. Je remercie bien sûr tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et quant à nous, on se rejoint bientôt pour une prochaine aventure. Allez, à Péroui. À Péroui. Je vais aller le trouver, hein. Je vais lui demander s'il peut me montrer deux, trois astuces pour attraper un cheval. Voilà, il y a que ça, ce qui fait que là, on a commencé à avoir un peu de chevaux à la tribu, ça fait tous nos jeunes qui veulent encore... Qui nous ont aidés, bien sûr, à préparer cette émission. Et pour nous, on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Allez, tata! Oh non! Pardon, recommence, on refait. J'ai pas dit un peu Péroui. Oui, un peu Péroui.